Vacation d'Armel Lecléache ce midi. Sidney Gavinet, 4 passages du Cap Horn en course, y assiste et commente. Voilà les conditions qu'on a eues cette nuit, on a eu des freins jusqu'à 45 nœuds et puis une mer démontée. Donc j'étais de veille toute la nuit. On dormira tout à l'heure quand le bateau sera bien calé. Je trouve que c'est assez authentique là, son coup de fil à Armel. On sent vraiment la fatigue. Et dans les vidéos que j'ai vues sur le net, on voyait aussi qu'il y a beaucoup d'esbrouf. Ça fait voir à quel point les coureurs s'efforcent de donner des images fringantes alors qu'ils en bavent. Bonjour, bonjour! Et voilà, on est en Atlantique avec un peu de soleil, ça fait du bien. Bon, la route est encore longue, hein, il reste pas mal de milles à parcourir. C'est serré avec Armel Lecléache, mais... Je vais tout donner, vous pouvez compter sur moi pour tout donner, pour aller jusqu'au bout et essayer de faire du mieux possible. Une intonation de voix, on dit donc certainement davantage que des images. Aujourd'hui, l'intonation d'Armel nous dit que les deux hommes de tête en bavent donc, et si l'on avait entendu celle de Jean-Pierre Dick, on aurait peut-être perçu l'énervement, la fatigue, la colère. Car Jean-Pierre a failli perdre son mât, il a concédé du terrain et à 16h, il était à 336 000 de la tête. Mais les images racontent aussi autre chose. Déjà, elles montrent la mer. Il y a 35 nœuds et qu'on a eu une claque à 40 nœuds tout à l'heure. Bon, je sais pas si ça se voit bien sur les images, mais... Et parfois, les images portent aussi les émotions et les souvenirs. Pour moi, il y a 4 ans, c'était le chavirage avec VM Matériaux et Vincent qui venait de récupérer dans des zones approximativement les mêmes que celles de maintenant. Donc voilà, c'est un moment d'histoire, on va dire. J'espère que je passerai le 14 dans d'autres conditions cette fois-ci.